Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Kylian et le Faux Quintet avec au programme trois rubriques, feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour toucher le pacteur. Sur la grille de départ du prix de la Concorde, 13 compétiteurs de 80 plus vont en découdre sur la distance de 2200 mètres. Feu rouge, je freine avec le 6, Toran Chaman. Il a craqué pour finir de le quintet du 14 mai après avoir animé les débats. Plus performant sur les pistes en sable fibré, j'ai décidé de le mettre de côté, même si le lot s'est creusé. Feu orange, je ralentis avec le 9 Sam. Mis au repos cet hiver, il a deux parcours dans les jambes. Lauréat d'un quintet d'il y a un an en 35 de valeur, il évolue désormais en 33 sur un parcours où il n'a jamais déçu. Nanti d'un bon numéro de corde et associé à Léa Bales, avec laquelle il s'entend à merveille, le protégé, le beau gris de Stéphane Gouillette, va refaire parler de lui. Feu vert, j'accélère avec le 7 Golf. Cette jument de 4 ans reste sur deux sorties encourageantes dans les quintets. Le 20 avril, elle avait hérité d'un numéro en dehors et sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Lors de son avant-dernière sortie, son jockey Michael Barzalona n'a jamais trouvé de passage alors qu'il avait les ressources nécessaires pour monter sur le podium. Cette fois-ci, avec son 2 dans les boîtes, Mademoiselle sera sans gêne. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus combiné avec le 7, l'As, le 9, le 4, le 5 et le 3 pour la somme de 12 euros. N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.